Pour pallier aux limites de la mémoire de travail et faciliter le traitement de l'information par le cerveau, les stratégies d'apprentissage sont des outils essentiels que l'étudiant doit savoir quand et comment utiliser. Les stratégies d'apprentissage sont de quatre types: cognitives, affectives, de gestion et métacognitives. C'est par une utilisation efficace et consciente de ces stratégies que l'étudiant peut mieux apprendre. Cette utilisation n'est pas intuitive. Elle a été décrite récemment grâce aux recherches en sciences cognitives. Le professeur doit prendre le temps de les enseigner pour que l'étudiant puisse les utiliser de façon optimale. Les stratégies cognitives permettent de traiter l'information. Rappelons que le traitement de l'information par le cerveau s'effectue d'abord par l'encodage d'une nouvelle information en connaissance, par le stockage de celle-ci en mémoire à long terme sous la forme d'un schéma organisateur l'alliant aux connaissances antérieures, et finalement par la récupération de cette connaissance utilisable en mémoire de travail pour traiter de nouvelles informations. Ainsi, ces stratégies cognitives, c'est-à-dire l'activation, l'acquisition, l'organisation, l'élaboration, l'intégration et le transfert, viennent optimiser l'une ou l'autre des étapes du traitement de l'information par le cerveau. Les stratégies affectives et les stratégies de gestion permettent de libérer de l'espace dans la mémoire de travail lors du traitement de l'information. Rappelons que la mémoire de travail est limitée,
qu'elle ne peut contenir qu'environ 7 unités d'information retenues 10 secondes en moyenne. Ces unités d'information peuvent être une lettre pour un enfant qui apprend à lire ou encore un schéma de connaissances pour l'expert qui résout un problème. En classe, ces espaces sont vite comblés, remplis par la nouvelle information enseignée, mais aussi par les connaissances antérieures nécessaires à sa compréhension, sans parler de tous les stimuli de la classe. Il ne faut pas minimiser le rôle de l'affectif dans l'apprentissage. Les espaces de la mémoire de travail peuvent être accaparés par des éléments affectifs. Les stratégies affectives, c'est-à-dire la réception, la motivation, la gestion du stress, la résolution des conflits et la coopération, vont amener l'étudiant à libérer ses espaces pour faciliter le traitement de l'information. On ne peut garder en tête toutes nos activités du jour, rencontres, commissions, qui peuvent aussi accaparer notre mémoire de travail. Les trois stratégies de gestion, c'est-à-dire la gestion du temps, la gestion des ressources humaines et matérielles et la gestion de l'environnement, permettent de mieux organiser son quotidien pour libérer les espaces dans sa mémoire de travail pour faciliter le traitement de l'information. Thank you.
Les stratégies métacognitives permettent de réguler les stratégies cognitives, affectives et de gestion. L'être humain a la capacité de réflexivité. Il sait qu'il sait. La métacognition est la capacité mentale de savoir comment on apprend et de se rendre compte de l'utilisation des stratégies d'apprentissage. C'est par la planification, le contrôle durant l'action et la réflexion, qui sont les trois stratégies métacognitives, que l'étudiant peut réguler son processus d'apprentissage. Les stratégies d'apprentissage sont des outils précieux, car elles permettent à tout type d'étudiant d'apprendre et de réussir. Elles ne sont pas intuitives, elles s'enseignent, s'apprennent et se pratiquent. Elles sont efficaces si elles sont enseignées en contexte par chaque prof dans sa discipline.